Anna. Et avant leur arrivée au Brésil, les Camerounais, les Lions Indoubtables, se sont préparés en Autriche et ils ont pu compter sur le soutien de leur mascotte, Malitoli, un supporter, vous allez voir, un peu particulier. Caroline Bauer, l'œil braillé. Dans les montagnes du Tyrol autrichien, Malitoli ne passe pas vraiment inaperçu. Cet ancien joueur de 40 ans est le plus grand supporter du Cameroun et depuis une dizaine d'années, il suit la sélection partout, avec l'équipement adéquat, évidemment. Ça, c'est un lion. Ça fait aussi un chapeau. C'est constipé. Quand l'équipe nationale est dans des situations difficiles, je vais mettre généralement, donner un signal à mon équipe nationale que le lion attend des choses, des bonnes choses. Malitoli n'attend pas les matchs de la sélection pour faire fuir les mauvaises ondes. Et aux entraînements, il est aussi célèbre que les joueurs. C'est Malitoli. 32 matchs avec les Lions Indomptables. On se demande bien où il trouve les ressources pour continuer à poursuivre cette équipe. Quoi. Les ressources sont d'abord les siennes. Depuis 2000, Malitoli a dépensé 60 000 euros pour suivre la sélection camerounaise. Son budget pour le Brésil est de 5 000 euros et certains joueurs ont même promis de l'aider financièrement si le Cameroun va loin dans la compétition. On espère que tout le monde mettra la main à la pâte. À chaque fois qu'on arrive quelque part, on le trouve, il est déjà là avant tout le monde. Voilà, je pense que ça serait bien de faire quelque chose pour qu'il nous suive. Les joueurs l'ont bien compris, même en tribune, ce serait dommage de s'en priver.